Bon allez, on va terminer le game là. Mais d'un côté, heureusement qu'on n'a pas gagné, hein, parce que honnêtement, les accidents qui auraient eu à cause du verglas et tout, genre à Lille et tout ça, oh, mais c'est une patinoire le machin. Même là, hein, Maxi Pizza et tout, ils voulaient plus livrer à cause du verglas et tout ça. Hein. C'est incroyable. Hein. De glace. Le scorpion doit être anéanti. Cette tempête, c'est la clé pour venir à bout du labyrinthe. Pour y échapper, nous devons tout assembler. Bien, bien, tu as déjà commencé. Je vois les cubes qui changent de place. Maintenant, une fois à l'intérieur, tu dois utiliser le cadeau de Boreas. C'est le catalyseur qui contrôle le labyrinthe. Mais tu n'es pas... Mais... Tu... Qu'as-tu donc fait à mon enfant? Mon petit! Où est mon petit? Ton fils est mort, Dédain. Mon fils, mon enfant. Non, non, non! J'ai pris le cadeau de Hadès, le feu liquide, et la tempête de glace pour créer le pouvoir du labyrinthe. Créer le pouvoir! Le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Le roi des dieux m'a pardonné. Si je construisais le labyrinthe, il a promis que je verrais le retour de mon fils. Ok, Clem. Il a dit que si je prenais le feu liquide... Oh, mon garçon. Oh, mon enfant. Ne fais pas ça, Spartan! Mais d'accord que j'ai plus rien à améliorer là.
Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Bébête, encore. Ça va changer un peu. Après, ça dépend le film. Oui, ça va. Hop. Ça, on va mettre ça là-bas. Simple, hein,
L'épreuve ultime de la mort d'Adéas. Aïe. Oh, elles sont chiantes, elles. Nickel. Pandore, qu'a-t-il donc fait? De ne plus jamais te parler. Sinon, qu'il s'en prendra à toi comme il s'en est pris à mon père. Impossible. Il m'a dit qu'il te tuerait. Il ne peut pas. Nous devons partir d'ici. Viens, je peux te montrer le chemin. Ok. Ah bah alors, elle est trop petite. Par là-bas, Kratos. Kratos, attention. Oh.
mon dieu. Vite, vite. Ouais, je suis aussi vite que je peux. Hop là. Je dirais une épreuve de Fort Boyard. Ouais. Ouais, tu le fais à capella donc. Donc je pense que ça devrait aller. Hein. Pire move. Non, c'est bon. Comment qu'elle vaut, là ? Elle a bien mangé ? Notre voyage est loin d'être terminé, Pandore. D'ici là, tu ne me remercies pas. Est-ce qu'on a acheté un tipi pour ta fille ? J'en ai peut-être l'air, mais je ne suis plus... Oh, quelle angoisse. J'ai vu de nombreuses choses terribles. Je n'ai pas peur. Je sais très bien ce qu'il y a. Ouais, j'ai pas encore mangé, Jenny. J'ai pas encore mangé. Je l'ai vu meurtri à cause de moi. J'aurais dû l'aider, mais j'avais peur. Héphaïstos a agi comme tous les pères le devraient, en protégeant son enfant. Non ! Tout est ma faute. Je l'ai abandonné parce que j'avais peur. Je mangerai après le stream, le streaming, hein, bien sûr. Dans ces ténèbres, j'ai entendu ce que les dieux disaient de moi. Ils me traitaient de monstre. Du coup... oui, je t'avais dit, si le 26 était libre, Genie 2, mais non. En fait, ce sera pas le 26, bien sûr. Ce sera pas le 26, ce sera le 2 janvier. Skyrim, si tu veux. Parce que le 26, c'est Ella Noire, hein, bien sûr. Hein. Vous avez mangé quoi, les saucisses de Sarah ? Oh, non, 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 non. Non, non. Pas de carbonara, hein, bien sûr. Hein.
Faites par Janine, ouais. Faudra qu'on en discute. Mais oui, oui, discutons-en, bien sûr. On va prendre un cache tous les deux, là. Voilà où mène l'espoir, fillette. Retiens bien cette leçon. Chukawolo. Bah ouais, hein. Alors, attendez, hein. Parce que j'ai un truc en même temps. Je vais mettre celle-là. Ça. Comme ça. Oh, j'ai bien fait de le faire parce que le PC il commençait à pas trop aimer ça. Je vais faire ça. Ouais. Je suis à vous hein, dans 10 secondes. Hein. Faites ce que vous voulez hein, de toute façon. Voilà. Oui, j'ai réfléchi entre temps, il faudra en discuter en vocalisation d'humain suggestion. Bah, si vous voulez en discuter, on peut en discuter, même si je suis en live là. Hein. Moi, y a pas de soucis, c'est qu'on voulait. Hein. Et Matt Mix, il a discuté, il est venu parler lors du premier let's play. Enfin, quand on a commencé World of War 3, voilà. Ouais, vu que c'est du lac, tout peut arriver. Hein. Non mais qu'on a discuté bah, de tout et de rien quand j'avais commencé God of War 3. Vous avez eu la flemme d'écrire donc du coup vous avez pas un vocal. Cassez-vous. Cassez-vous. Alors, je suis après, hein. Je suis après, Jimmy. Mais prends-le, Vardé Juice. Voilà. Parce qu'il arrive, quand c'est de monter une connaissance, tu fais et moi également, ça risquerait d'être un bordel. Ces gens ont beaucoup de questions, comme c'est tout un monde. Pour ça, je pensais à un jeu plus léger, on va dire. Ah! Ouais, bah après, bon, y a pas de soucis. Hein. Un jeu plus léger. Un jeu plus léger. Je sais pas si t'as une autre idée, Jenny.
Ah oui, Far Cry 5, ouais, ok. Oui, pourquoi pas. En plus, j'ai jamais fini Far Cry 5, en vrai. Oh, par contre, ça souffle, hein, niveau console. Ouf, Far Cry 5, je me souviens que... Ouf. Ça soufflote un peu, hein. Mais bon, bah, écoute, hein. Quand j'ai fini le jeu, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Et après, et après bah, je sais pas si on enchaîne sur Alan Noir ou si on, je m'arrête là. Peut-être que si c'est vraiment trop court, je serai un peu d'Alan Noir jusqu'à 22h30. Je peux pas te mettre dans le frigo. Hein. Ouais, 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 vas-y. Parce que là, là, on est quasi à la fin, quoi. Donc, c'est chaud, quoi. De quoi lourd, Jenny? Mon humour est lourd. Mais je t'en prie. Parle pas comme ça. Le jeu imbécile. Non, c'est pas qu'il est lourd, c'est que. Bon, je sais pas, tu sais. Non, mon nom. Oh, puis merde, voilà. Non, c'est très bien, Far Cry 5. Voilà, restez sur ça, c'est très bien. C'est une très bonne idée, Far Cry 5. Attends-moi ici. Et du coup, je veux dire, on est tous les deux à stream ou il y a que moi qui stream? Parce que je sais que t'aimes pas trop les quand il y a deux gens qui stream. Donc savoir si c'est toi qui le fais de ton côté. Si c'est moi qui stream du coup. Je me suicide. Ah celui-là j'avais pas vu venir, GG. Oh. Allez, la doublette. Oh là là. Ça va trop vite, arrêtez s'il vous plaît. Bon, parce qu'il y a rien, j'avais déjà fait un peu mon côté, les gens avaient pas mal la question, puis c'est fan du jeu. Mais tu m'as de tout game. Moi je les emmerde, hein, au pire. Ah, tu stream en fort en coop. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui stream, d'accord. Okay. Oula, oulala, oulala, Cerber là, Cerber Léonard là. Cerber Léonard. Ah, elle est pas mal celle-là. Oh, oh, cette référence. Oh, le plaisir. Ah, c'est ça. Là. Oh non, non, s'il vous plaît. Pas autant, moi. Cette transition, ceci, c'est pour le plaisir. Non, mais on l'aurait fait exprès que ça serait pas vu, quoi. Oui, bonne saucisse, mais un peu dur à manger. Ok.
Ah oui, mais non, je suis con, c'est pas... Attends. Oui, voilà, non, ça, faut pas le faire tout de suite. Voilà, incroyable ça. Je sais pas, Jenny. Je sais que il y a un pourparler pour avoir tous les caves duty, mais je sais plus trop comment ça s'arrange. Ah, Batmix, il y a votre streameuse préférée qui est en live. Aureliane. Ou Aureliane. Aureliane, sûrement. Ça doit vous parler, non? Elle fait pas du JTRP. Si, si, elle fait du JTRP. Et bah, je vois que Ginny elle connaît aussi. Bah, dis donc. Vous êtes un peu une bande de cachotiers quand même, hein. Ici depuis le début, voyons. Ah, bon, voilà. Coupez le son de son live. Et laissez le doux son de ma voix, comme ça, ça fera comme si Aurélienne elle avait ma voix. Ah, d'accord, Jenny. Non, mais bon, parce que je sais que vous êtes aussi une petite connaisseuse de ce genre de petite streameuse, vous voyez, donc je me suis dit, à tous les coups, c'est le cas, c'est aussi mordant. Ah, bah oui, j'imagine, ouais, ça va être le meilleur stream de votre vie. Ouais, moi, si je suis du JTRP, j'aimerais trop faire un personnage genre comme Saul Goodman. Tu vois, un avocat, mais super. En escroc, quoi, tu vois, mais en Saul Goodman, quoi. Mais vraiment, hein, je kifferais faire ça. Genre, je suis là que pour les dealers de drogue et tout. L'inceste et tout ça. Les pires trucs. L'inverse good. Ah. Elle est pas mal celle-là, dis donc. Maka Mateti, Maka Mutsu, Maka Mutsu Nico, Matati Tigre Talk. Oui, d'accord. Matmi, tu sais que si jamais la France elle aurait eu cette troisième étoile, j'avais parié de faire tout le stream en parlant Didier Deschamps. C'est con, hein. Oh, what's up, Nico? Je pense que je vais faire des recettes sucrées à la friteuse. Oui, genre des churros ou des chichis, des machins comme ça. Ok. Des saucisses au sucre. Après, les saucissons secs, c'est des saucisses au sucre. Après, les pâtes au sucre, tu sais. Des pâtes au sucre. Je l'entends.
Sarah patience aussi. Wow. Bon, en tout cas, toujours pas le son, du coup, je peux dire n'importe quoi. Ça va les couilles, quoi. Je veux pas pour que j'ai ce message, du coup. Pandore ! Athéna ? Tout ira bien, Kratos. Ne perds pas de vue ton but, Spartiate. Souviens-toi pourquoi tu es allé si loin. Prépare-toi, Spartiate. Tu sais ce que tu dois faire. Je vais élever le labyrinthe. Je la ramènerai d'où elle vient. Qu'est-ce qui t'a eu ? Je me suis baissé pour ramasser un truc par terre et je me suis cogné sur l'arcade. Ah bah GG. Écoute, t'as une bosse, elle fait une bosse d'arcade. Ou une borne. Borne d'arcade. Va te mettre de l'eau à un gant. Hein ? Je comprends pas. Je... Non, tu chaînes pas. Tu vas avoir une vieille boss. Elle ressemble à Quasimodo. Je serais tourné. Heureusement que j'ai tapé là et pas là. Hein. Ah bah oui. Je serais tourné Esmeralda. Parce que ça aurait tapé là, direct sur le jeu en fait. Ouais. Oui, ça va mieux ton dos. Ouais, oui, ça va. Ça va beaucoup mieux depuis 2 jours là. Ça va beaucoup mieux depuis 2 jours là. Pourquoi qui c'est qui demande? C'est Ginny 2 qui demande. Ah oui, bah ça va beaucoup mieux, merci. Je vous revis. Et coucou! Vous êtes sur mon stream alors que... C'est vrai qu'il y a les bleus qui vont arriver à Paris là quand même. C'est plus intéressant de regarder les bleus que mon stream. Hein. Je m'en souviens plus de God of War 2018, Gino. Eh, le fameux tir, hein, bien sûr. Hein, surtout de tir cadré. Ouais. Tu te rappelles de la 122e minute, Ginny? Hein?
le but qu'on n'a pas marqué à cause de Martinez. Qui aurait pu nous faire avoir cette troisième étoile. T'en souviens encore de ça ou pas? Je l'emmerde, Martinez. Je pense que le peuple français l'emmerde. Hein. Pas que pour ça, hein, pour surtout son geste déplacé, mais bon. Que voulez-vous? Un pays de racistes, donc à partir de là. Alors ma position, je pense, parce que moi c'est été masqué, je vois pas pourquoi il y a des étoiles, ma position préférée. Les flammes de l'espoir nous libèrent. D'accord. Son bel coup, sert, hein. Tu sais pourquoi je suis ici? Tu m'as amené ici pour que je le fasse. Je trouverai un autre moyen. Non, Kratos, il n'existe pas d'autre moyen. Laisse-moi y aller. Non, fillette. Je ne suis pas une enfant. Tu me fais mal. Kratos, allez. J'avoue, moi, tout. Ton obsession pour cette chose devient quelque peu gênante, mon fils. Oh, la chafiteuse. Ne confonds pas cette créature, fabriquée par Héphaïstos, avec ta chair et ton sang. Mais c'est peut-être déjà le cas, Spartiate. La quête que tu mènes, ton obstination pathétique à tenter d'expier le meurtre de ta famille, n'a provoqué que le chaos sur l'Olympe. Regarde autour de toi ce que tu as créé. Je ne vois que ce que je suis venu détruire. Ma plus grande erreur a été d'avoir pitié de toi, Kratos. Tout comme la pitié que tu éprouves pour cette créature sera ta plus grande erreur. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle a au contraire tout à voir avec ça. Lâche-la. Comme tu le voudras. Trop de ceci, dit, ouais. One, fight! Mais ça fait trop ça, j'ai l'impression de jouer à Soul Calibur là. Attention parce que c'est un peu très bizarre sans le son. Oh bah non. Non, c'est pas leur style, bien sûr. One, two, fight. Voilà, fini, fin du jeu, merci à tous, salut! C'est vrai? Non. Hein? J'ai con Ginny. Pourquoi? Je t'emmerde, Ginny. Jeudi soir, ouf, ça va être peut-être compliqué jeudi, parce que jeudi, elle se met au Noël, peut-être qu'elle part dans sa famille. Elle perd du 24. Pour une fois,
dans ta vie pathétique. Ne sois pas lâche. Donc je dis Sylvain 2, donc elle sera là. Comme tu as abandonné ta famille. Si tu veux, Ginny, elle fait un stream jeudi soir. Si elle est là, let's go des BD. Je sais pas si Jenny dit qu'elle est là, mais si jamais elle est là. Ouais, elle est pas encore là, je pense qu'elle est en train de bouffer à cette heure-ci. On fait quoi après God of War? Est-ce qu'on se lance dans Ella Noire ou on fait un autre jeu? Et on garde Ella Noire pour lundi prochain. Le pouvoir de tuer un dieu. Ah, direct, Jenny. Comment ça, triple bus? Pourquoi triple bus? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Vite la noire. Après tous ces efforts, après tous ces sacrifices, ce n'est encore qu'un échec retentissant. Je sais pas si je ferai des votes. D'ailleurs, question. Alors, question, attention, question. Est-ce qu'on fait le jeu en couleur ou en noir et blanc? Oui, oui, j'ai l'option de génie. On mettra des panneaux pour Sarah comme dans Charlie Chaplin. Quel chaos. J'aurais beaucoup à faire. Ça faudrait faire en vote. Non mais y'a personne aussi là. Il est temps d'en finir. Oui mon fils. Il est temps. Serviteur a échoué, Gaïa. Tu aurais peut-être dû choisir l'autre, finalement. Assez ! Père et fils mourront ensemble ! Les traces de sang. Suivons-les. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum.
les Argentins, ils ont été hyper racistes envers Mbappé. Oui, je te dis, ils ont fait une chanson. Ils ont fait une minute de silence pour la mort de Mbappé. Il y a un des joueurs, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Tchouaméni, ils l'ont traité de tête de bite. Non mais. C'est... Ah, bah, et ça, c'est champion du monde, ça. Et par contre, Ginny, on m'explique le carton jaune à Giroud alors qu'il était sur les bancs. Non, mais... J'ai rigolé. Bah, moi j'ai bugué mon cerveau. J'ai eu un mindfuck. J'ai dit, bah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais vu ça dans le football. Faut pas que j'ai regardé. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est jamais arrivé ça. Quand je jure que le trop, c'est rare, mais c'est possible quand je jure que le trop ou quoi pour le calmer. Ah ouais? Ah, tenez, carton rouge, Giroud, vous jouez plus, mais tenez, voilà. Et paf! Oui, d'accord. Hop, ça s'est réglé. Allez, Sarah, on dirait vraiment le grand père Simpson, quoi. On parle de foot et elle a dit « J'ai mangé une banane à midi !» Bah parce que elle fait trop grand père Simpson, en vrai. Non, ce serait plutôt « Je veux des bananes, oh my god !» Oui, mais elle aurait pu sortir ça, hein. Normalement, staff et joueurs doivent se cantonner dans la zone en pointillé autour de banc, du banc, sauf ceux qui s'échauffent. D'accord. Donc, ils n'étaient pas dans cette zone-là, du coup. Bon. Bah, voilà, hein. Je pense que c'est... C'est réglé, si ça, hein. Pas. J'ai des bananes sur mes gaufres. Oh non, tous nos items. C'est
que les ténèbres qui t'attendent, Kratos. Il va falloir que je prépare la soluce pour aller à noir fichier. Ah oui. Bah bravo, tu triches. Ah bah oui, clairement, clairement, un truc clairement. Pas abusé bravo, non plus. Je ne suis pas homosexuel et je ne suis pas mort. Mais je me dis ça, oui. Si t'as dit gamer. Gamer. Bah oui, et bah. Joueur. Ah. Pardon, excusez-moi. Non, je t'excuse pas là. Tu dis quoi? Je t'excuse pas. Ah. Mais je t'exclus. D'accord. Mon méo. Non mais si je prends la solution, c'est pour finir toutes les enquêtes à 100% et que vous ayez la meilleure fin possible. Hein. Ah non, on l'a pas ici. Re Ginny Gang, comment ça va? Ginny, tu vas être contente, hein. Là, on s'approche de la fin de God of War 3, après on va sur Ella Noir. Le sujet saucisse et banane, hein. Y a eu un supplément. Kratos, dans les ténèbres, les flammes de l'espoir nous libéreront. Ouais, donc j'ai décidé de commencer Eleanor tout de suite, vu que vous connaissez pas du tout le jeu. Et que sinon, si je termine God of War là, le stream sera très court. Je me suis dit go. C'était soit Eleanor, soit Red Dead Redemption. Mais bon. Non, elle est noire. Voilà. Red Dead, ce sera le 30 décembre. Après je peux le faire ouais, mais si t'es pas là le 30, tu seras pas là le... Attends, c'est quoi normalement? Après je peux faire le 23, hein. Je peux décaler The Last of Us au 30, hein. De quoi faites, Jenny? La veille de Noël, bah oui. En plus, on sera dans la neige et tout. De quoi la veille de Noël? Non, c'est la veille de Noël, du coup. Ne décalez pas pour moi, c'est gagné. Ok, Jenny. Jenny qui m'engueule. Je serai en panique à devoir emballer tous les cadeaux là. Bon, moi il n'y a pas de cadeaux donc au moins c'est. Enfin, les cadeaux pour Dame Janine, je sais déjà quoi lui offrir donc c'est. Mais pour ça, j'ai une excursion à faire à Paris. Mais pourquoi Paris? Bah, parce que Disney c'est la Disneyland de Paris. Oui, bah, si tu m'as dit que tu voulais la Stitch. Oui. Ah, oui, non, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Putain, tu. Parce que je suis sûr de la trouver à Paris, c'est pour ça. Oui, mais à 80
Disneyland Paris, j'ai dit, c'est à Paris, enfin, c'est à Marne-la-Vallée. Non. Vraiment. J'apprendrai sur internet ou pire. Non, 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 je vais pas à Paris même. Hein. Non, non. Fou, quoi. Non, non. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Attends, je vais faire le sondage tout de suite, là. Comme ça, au moins, tant pis, hein, pour ceux qui sont pas là. Attendez, hein, je fais un sondage. Alors, attendez. Je mets 3 minutes. Ah, donc je vais faire un sondage pour Ella Noir juste après. C'est un sondage pour savoir si on fait le let's play tout le jeu en couleur ou le jeu en noir et blanc. Donc allez-y, votez pendant que je fais ce pénible moment où il se passe rien. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de génie. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Désormais. Ah, il dit pas il n'y a plus d'espoir. C'est de la merde ce jeu. Que souviens-tu de ce jour, Spartiate? Je ne te laisserai pas la blesser. Bonne chance avec cette traînée que tu appelles Pandore. Tu ne vas pas composer mon destin. Je t'ai tout donné, tout ce que j'avais. Par pitié, ne fais pas ça, Spartiate. Tu as eu ce que tu voulais. Laisse-moi tranquille. Je peux te montrer le chemin. Il va falloir assumer, hein, par contre, après. Hein, ce que vous choisissez, je vous le dis. C'est moi qui t'écris et c'est moi qui vais t'achever. Fais vite. Pourquoi ne meurs-tu pas? Regardez le cerveau et le colonel Matthews, il fait la voix de Joey Thorax dans Astérix. Ah ouais? Non, nous on a gardé le retour de la momie. Et puis en plus je l'ai sur YouTube, le cerveau. Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreuse boudin de femme et votre sale chat. C'est tellement la meilleure réplique, ça. Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Ah, je pourrais voir 15 fois, ça me ferait tout le temps rire. Comment s'appelle déjà son jaguar, là? Allons, ne joue pas avec mes pantoufles. Et sortir de l'avion. J'ai pensé à vous. Ah, c'est-à-dire que... En couleur, ok. Oh, putain. Ok. Suzanne, ne joue pas avec mes pantoufles. Ah, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est ouais, la voix, ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait un rapprochement. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Ouais, t'as pas vu le film, il y a une personne qui a doublé la voix d'un mec dans le cerveau, il fait la voix de Joey Thorax dans un texte chez les Bretons. Non, seulement quand il ne pleut pas. Mmh.
Bah ça va être Eleanor là, Ginny. Hop, God of War en FPS, c'est maintenant. Ah, vendredi, ce sera The Last of Us, du coup. Histoire de voir Abby avant le Père Noël. Vu que tu parles 24, du coup, Ginny, tu verras Abby. Voilà. Et vendredi d'après, Maxime FM. Non, c'est fini, Maxime FM. Terminé, ça reviendra plus. La merde. Je plaisante, calmez-vous. Voilà, où est-ce que je lui fais mon gardien Martinez là? Voilà, comme ça, voilà, ça. Voilà, c'est ça que je lui fais là. Il va prendre le respect cet enculé. Non, il n'y a pas de haut. Un fils de pute! Qu'il y en a plus ce jeu. Oh putain, un live de 6 heures sur The Last of Us 2, Ginny, sérieusement. Bah let's go hein. C'est pas un problème ça, Ginny. C'est pas un problème parce que je peux faire 3 heures de blabla et je joue 3 heures seulement où je me fail. Oh non, j'aurais la grue! Non! L'humanité est maintenant prête à entendre mon message. Regarde alentour, Athéna. Le monde est en ruine. Ton message ne peut pas être bon. Pars si tu le dois. Mais d'abord, donne-moi le pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. La boîte était vide. On fera un starting de 5h45, exactement. Je le vois dans tes yeux. Mon pouvoir t'a aidé à tuer Zeus. Tu l'as encore en ce moment. Tu ne comprends donc pas... Attendez, je prépare les souris pour Eleanor. Lorsque Zeus a rassemblé tous les mots et les a placés dans la boîte... J'ai craint ce qui arriverait si quelqu'un l'ouvrait de nouveau. Et ainsi, j'ai invoqué l'arme la plus puissante au monde et je l'ai placée dans la tête. Celles-ci sont là. Je te l'ai dit, elle était vide. Pandore s'est sacrifiée en vain. Oui, fort. À cause de ma soif de vengeance. Tu dois te tromper. Tu as tué Zeus avec mon pouvoir. Je t'ai vu le faire. À moins que... Bien sûr. Lorsque tu as ouvert la boîte, tu as libéré les mots sur les dieux. Ils les ont contaminés. Transformés. Zeus lui-même est devenu la proie de ces mots maléfiques. Ce qui explique pourquoi il est devenu si enragé et obsédé par ta mort. Il était dévoré par un de ces mots. La peur. Je pensais que le pouvoir que j'avais placé dans la boîte n'avait jamais été libéré. Pendant toutes ces années,
J'étais convaincue que tu avais puisé dans ces mots pour détruire Arès. Et j'avais tort. Le pouvoir dans lequel tu as puisé est le mien. Tu as acquis une force que Zeus ne peut pas détruire. Une force suffisamment grande pour surmonter la peur. Au plus profond de toi, Kratos. Sommeille l'espoir. Il est resté enfoui, piégé par tes remords et les fautes de ton passé. Quand tu as tué Zeus, tu as dû le débloquer et le réveiller. Qui a-t-il, Kratos ? C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Qui a-t-il, Kratos ? Tout ce dont je me souviens, c'est ce que j'ai perdu. C'est pourquoi tu dois me donner le pouvoir. Je connais sa vraie signification et son origine. Je sais que tu feras les bons choix, Kratos. Tu ne devrais pas. Tu me le dois, Kratos. Je ne te dois rien du tout. J'ai fait de toi un dieu. Je t'ai protégé de la colère de l'Olympe. J'ai assouvi ta vengeance envers Zeus. C'est terminé, Athéna. Tu oserais me terrasser ? Encore ? Ma vengeance s'achève. Non ! Bah, alors ? C'est pas le même jeu aussi, hein, Jenny, hein. Ça m'était destiné. Ils ne sauront même pas quoi en faire. Forcément, c'est Dunkerque qu'on a tué le jeu du soleil, Jenny. Tu me déçois, Spartiate. Nord, Pas-de-Calais. Et c'est la mort de Kratos. God of War 3 terminé. On se retrouve dans 34 minutes. Non, ça va, il est beaucoup moins long le. De quoi explique Jenny, Kratos est mort ? Bah c'est fou. Bah t'as bien vu que si, non ? Bah, c'est parce que c'est le multiverse. C'est pas le même Kratos, Jenny. Là, c'est le Kratos du... grec. Et
Et Kratos ne revient, c'est un autre Kratos, c'est le multiverse. Ah oui, mais tu connais pas le multiverse Marvel et tout, c'est vrai. Le multiverse, c'est... comment t'expliquer? C'est... un univers parallèle. Voilà, c'est un univers parallèle. Donc, ce qui fait que Ragnarok... Ah oui, mais je peux pas le dire sinon je spoil. Je peux pas dire Ragnarok. Ah, ce qui fait dans Ragnarok, la prophétie qu'on voit à la fin de 2018. Normalement. Et bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, madame Bibou. Ah, Bibou, vous arrivez tout juste pour Ella Noir. Vous avez de la chance. Là, on va se taper 40 minutes de générique. Ah. T'es perplexe, Jenny. Je vois pas pourquoi t'es perplexe. Hein. C'est pas le même style de jeu. Ils ont tout changé. Et la boule noire, oh. C'est un genre de petit. Pourquoi je mentirais, Jenny? Ah, le jeu qui ment. Je peux même pas passer. Je peux pas passer. Je vais voir un nouveau jeu là. Vous inquiétez pas, Jenny, vous allez le voir. J'ai déjà préparé Bassolus. Bassolus, elle est là. C'est quoi des... Ah non, il n'y a pas besoin. Non, unité de patrouille, il n'y a pas besoin. Je crois que je peux le mettre à partir de celui-là. Alors attention, c'est un jeu Rockstar, donc j'espère que vous aimez lire les sous-titres, parce que évidemment c'est pas en français. Attendez Jenny, il y a une scène post-générique. Ça parle de saucisse et de banane, madame Bibou, de saucisse dure et de banane en fait, voilà. C'est... Alors, elle aime pas les aubergines et les concombres, madame Bibou et Sarah. Voilà, donc vous avez vraiment le champ libre que pour vous. Qu'est-ce que je dis avec la voix de DJ Deschamps? Ah, c'est-à-dire que sur un plan tactico-technique, le jeu God of War 3, c'est l'un des meilleurs jeux de la licence. Sans parler des reboots qu'il y a eu 2018 et là 2022. Là, on est sur le top niveau de la forme de Santa Monica. C'était quelque chose de surprenant. Et je dirais même plus que
La vengeance de Kratos, le joueur de Sparte, eh ben, il a fait quelque chose de parfait. On n'a pas su tenir sur la deuxième mi-temps. Voilà. Et on se reverra pour l'Euro 2024. Je vais claquer tous mes points là-dedans. Ah là. Bon. Bon, ça vous fait rire, ça va, c'est le principal. C'est pour. Merci Guignol de l'info hein, quand même, hein, parce que c'est. J'imite les gens qui imitent. Enfin, j'imite les Guignols de l'info, hein, bien sûr. Peut-être le mettre plus, hein, DJ Deschamps. Hein. Peut-être le mettre à 10 000. L'injustice, quoi. Ah! Attention! Fini! Mais non, bien sûr que non, il n'est pas mort. Bien sûr que non, Kratos, il n'est pas mort.